Monsieur Hurst, vous avez déjà exécuté Lord Harrington et, je l'espère, Lord Collins et le docteur Fisher. La logique voudrait que vous vous occupiez également de Lord Marsh pour marquer la fin du Quatermain Club. Je vous laisse. Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue dans l'épisode, j'ai envie de l'appeler l'épisode 3, mais c'est absolument pas le cas, c'est pas grave, mais le troisième épisode de la seconde enquête de Sherlock Holmes, The Devil's Daughter, avec un Sherlock absolument délicieux, et aujourd'hui nous allons donc nous changer dans quelque chose d'un peu plus confortable, voyons voir, pour la beauté de la chose, quelque chose de plus confortable, il faut que ce soit ridicule à l'intérieur, oh c'est pas mal ça. Parce qu'en plus, il faut qu'on étudie la photo qu'on a chopée, vu que c'est ce que ça disait, donc il faut, voilà. Parfait. La science ! La science, Marty ! Vois-tu, c'est extrêmement simple. Je vais prendre cette photographie et la poser sur le combinateur. La science ! Voyons voir. Expédition au Guatemala 1881. Je rappelle que nous sommes toujours sur la trace de l'assassinat de cet homme. Nous ne savons pas qui est cet homme, c'est sans doute la prochaine victime à mon avis, parce qu'à eux trois, ils ont trouvé une statue maya qu'ils ont coupée en plusieurs parties en pur or, de la pure or, enfin du gold colombien pur. Et lui, il l'a vendu pour effacer ses dettes. Lui est mort, ce qui fait que ça revient à lui. Et lui, on ne sait pas où il est. Donc du coup, je ne sais même pas qui c'est en fait. Et lui... Bah lui c'est Mimicicu mais vieux en fait. Ok très bien. Et lui il est juste là pour la photo, il fait une photobombe. Voilà, t'as Chibi Honda qui fait une photobombe à l'arrière. Sir Charles Yellingham, le président du club. Voyons voir. Zacharias Greystoke. Je me demande qui est cet homme. Et surtout, l'élément mystère. Cette partie semble avoir été repeinte. Il faut que je découvre ce qu'il y a en dessous. La question, comment je fais? Essayons de retirer la peinture avec un solvant. Ah, attends, ça va pas baiser l'image qu'il y a sur le papier? Enfin, ça va pas baiser la photo? Est-ce qu'on peut juste mettre du white spirit sur une photo et ça vire genre que la peinture et pas la photo? Écoute, on va faire le test, hein. Niquons des anciens souvenirs qui ne nous appartiennent pas. Après tout, on a un mandat. Ce qui veut dire qu'on peut tout se permettre. Retirons doucement la peinture avec un chiffon doux. Voyons voir si on peut retirer le sperme. Histoire de faire en plus quelque chose d'un peu propre. Genre comme des vrais professionnels. Pas comme ma fille. Qui se laisse avoir par des romans de féministes. Genre le petit prince et tout. Impeccable. Genre elle lit Jules Verne. Genre c'est de la vraie culture. Ah, voyons voir. Alors. La science, Marty. Il y a une autre personne sur la photo. Est-ce que je peux faire quelque chose? Regardez. Cette personne avec un œil tuméfié avait été effacée de la photo. Le résultat d'une dispute, d'après vous, Watson? C'est possible. Mais cela ressemble aux symptômes caractéristiques d'une maladie tropicale rare d'Amérique latine. L'Amérique latine. Excellent, Watson. À votre service. GG. Est-ce mortel? Eh bien, disons qu'il a pu en réchapper. Je vais demander à Sir Charles, mais peut-être qu'il n'en sait rien. J'ai une idée. Il n'y a qu'un seul hôpital qui traite ces cas. L'hôpital des maladies tropicales. Un de mes amis y travaille. Ah oui? Les chances sont minces, mais je peux lui demander. Si cet homme est à Londres, il l'aura forcément rencontré. Pas mal! La vache, Watson! Le mec quand même se ramène en mode... tiens, regarde, c'est une photo en 224p, qu'est-ce que t'en penses? Tu crois qu'il s'est cogné la tête dans une porte? Peut-être, mais ça ressemble aussi à une maladie extrêmement rare de la mouche tsetse tigrée du sud précolombienne 1422, après une piqûre directement dans la région pénienne. Ah putain, sérieux? Mais oui, il y a un hôpital qui s'en charge, j'ai mon frère qui y bosse. Ah, le mec, putain, la précision de cet homme, quoi. Bon, remettons une tenue digne de ce nom, une tenue de pasteur, voilà. Parce que c'est marrant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, doux Jésus! Je ne contrôle plus rien. Voilà, c'est bon. C'était la manette. C'était la manette qui était partie en sucette. Toutes mes excuses, braves gens.
Parce que j'ai à la fois mon clavier et la manette, je joue au clavier. Mais apparemment la manette a décidé que le satanisme avait lieu. On est bien là ? On est bien. On est bien. Impeccable. Ce sont des bugs qui arrivent, surtout avec les vieux jeux. Allons-y. Bon bah là on est prêt pour la rédemption. Du coup est-ce qu'on peut aller Attends mais du coup où est-ce que je suis censé me diriger là parce que... Ma table d'analyse. Elle me sert pour mon travail. Mes archives. Mes archives. Je peux toujours les consulter archives, si nécessaire. Je peux sortir mais il n'y a rien que je ne puisse faire. Très bien, voyons voir. Voyons voir, capacité physique, fait à propos du crime. L'hôpital psychiatrique. Comment je fais pour aller à l'hôpital psychiatrique, brave Jean ? Photographie, très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc tout ceci sont des preuves et des pièces, ça fait plaisir. Fischer, inspecteur Lestrade. Peut-être en matant la map. Une carte de Londres et de ses alentours. Ça peut me servir. Oui, ce problème, c'est que ça me sert pas, parce que là, j'ai Là, je suis baisé. Il me manque des éléments, brave Jean. Il me manque des éléments. Voyons voir, quels sont les endroits qu'on n'a pas entièrement explorés. Scotland Yard, je suis sûr on a regardé les indices et on a regardé le cadavre. On a le mandat, donc on a peut-être raté quelque chose au club. Peut-être rater quelque chose de club. Ah, peut-être qu'on peut demander... À votre service, monsieur Holmes. À ton service, Patrick Pierre-Henri. Peut-être qu'on peut demander à Sir Charles qui est cette mystérieuse personne sur cette photo et qu'on peut lui demander de se repentir. Allons-y. Alors. J'ai trouvé cette photo au clubhouse. On vous reconnaît, mais qui sont vos compagnons? En particulier celui avec l'œil gonflé. Qu'est-ce à dire, fumier? Oh, lui, c'est ce pauvre monsieur Albeit. Il est mort de la fièvre lors de cette expédition au Guatemala il y a 14 ans. Oh. Nous cherchions un temple Maya Kuche. Mais ça s'est mal passé, on n'a pas réussi à entrer dans le temple et l'expédition a tourné au désastre. Me voici, et voici Zacharias. Et là, c'est Bernard Marley, un autre membre. Il est là-bas, près du piédestal. D'ailleurs, c'est lui qui a construit cette terrible statue. Il l'a créée... Oh, cela doit bien faire 10 ans. Ah. Et elle est où la collection d'Albeit du coup parce qu'il est mort il y a 14 ans? Ou alors tu l'as déjà vendu pour ta vie de drogue, de junkie et de petit four? Albeit était membre du club? Où est sa collection? Ça, je l'ignore. Nous ne l'avons jamais trouvée. D'accord. Serait-ce parce que les autres se disent « j'ai des indices sur Albeit et que toi tu veux le trésor pour toi tout seul, fumier, ainsi que les petits fours. Je vois que tu n'as toujours pas rempli le plateau. Radin. Enfin bon. Tout ceci est terriblement suspect. Il est tellement classe, ce prêtre Sherlock Holmes, ça fait aucun sens. C'est ce gars, là ? Bernard Marley, je présume. Je m'appelle Sherlock Holmes. J'ai quelques questions au sujet d'une expédition au Guatemala. Chut ! Pas ici, c'est trop dangereux ! Prenez ma carte. Retrouvez-moi à cette adresse, on pourra parler. Très bien. Ok. Bernard Marley, directeur de la fonderie, 8 Grub Street, à Londres. Bon bah très bien. Téléportons-nous-y. En tout cas, il est directeur d'une fonderie. Ça tombe bien, parce que ça va chauffer pour lui. Allons-y. Ah, quel beau temps à Londres. Bon, est-ce que je dois jouer une nouvelle phase avec Gavroche ou... Non, c'est bon, ça tient. Bonjour.
Désolé, je travaille. Je ne peux pas ouvrir. Avez-vous déjà entendu parler de la sainte lueur du Christ? Ouvrez! C'est pour les calendriers! Les calendriers mayas! Ah. Bon. Bonjour. Excusez-moi, où se trouve Grub Street? Je peux me tromper, mais il me semble que c'est une rue qui monte pas loin d'ici. Merci, mon gars. Qu'est-ce que tu lis, toi? Est-ce que ce serait pas du communisme, par hasard? Mais il ressemble à Lénine, ce mec. Enfin bon, allons-y. Wait. Possum Street. J'imagine que c'est la rue Possum Street bas. Parce que si c'était la rue haut, ce serait la rue Opossum. Il faut que j'arrête YouTube. Allons-y. Une rue qui monte. Cranky Street. Cranky Street. Une rue qui monte, pas loin d'ici, ce serait pas ça? Oui, oui, le châtiment, j'en parle à ma messe du dimanche matin, fais-moi pas chier. Bernard Marley Foundry. Hey, on a trouvé. Bonjour, je voudrais me faire fondre une grosse croix, c'est possible? Mais genre une croix à 8 branches du chaos, ça se joue bien. Bonjour mon brave, votre patron est là? Ouais, il est dans son bureau, c'est la porte près de la statue de femme dans le coin de l'atelier. Une statue de femme? Cheval de Pedro Alvarado. Il s'agissait d'un conquistador, je crois. Mais oui, c'est celui qui a buté Tecunaman. Ça le disait dans le papier, dans l'épisode précédent. Bon. Un fourneau pour fondre le métal. Très bien. Apparemment, Marley a construit plusieurs statues de Tecunaman. Ah, édition limitée, en précommande. Faudra demander à Benzaï s'il veut pas faire un hard corner sur une statue de Tecunaman. Oh, bonjour! Alors comme vous voyez, la statue est plutôt pas mal et elle est assez bonasse. Par contre, elle est un peu grande dans le salon, alors t'essaies de la mettre, mais tu te dis que ça va péter ton canapé. Et puis, ça pèse vachement lourd, cette merde. Et puis, je veux pas dire, mais les détails au niveau du visage, c'est pas vraiment ça. Mais pour te dire, cette statue en fer, elle est plutôt métal. Bonjour, mon brave. Votre patron est là? Désolé, je suis trop occupé pour bavarder. Bon, malheureusement... Quelque chose de gros et lourd a été traîné ici. C'est marrant, se trouver aussi près de métal en fusion, ça devrait pas faire prendre feu à tes cheveux, normalement? Enfin, je suis pas forgeron. Monsieur Holmes, pardon de vous avoir fui comme ça au club, ce n'est pas un endroit sûr pour parler. Et c'est plus sûr ici? Oui, c'est mieux ici. Pas mon bureau, j'ai sécurisé ma fonderie, vous savez. Non. Rassurant. Très bien. Petite analyse, allons-y. Voyons voir. Colsal, négligent. Des amulettes de protection contre le satanisme. Pièce de cuir s'appuie souvent sur ses coudes. Ouh là 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 là! Main graisseuse. Oh putain, le mec il bricole sa moto, ça schnouf. Hein. Ça schnouf, ça me schnouf. Lunettes de précision, mieux sous des lunettes de précision évidemment. Le mec est un orfèvre. Travaille avec des objets blessants, non, un travail complexe je pense. Je pense que c'est un orfèvre. Ça ferait sens avec tout son merdier. Puis travail du métal et de l'orfèvrerie. Peut-être ouais. Allons-y. Portrait complet, yes. C'est pas mal. Bob, t'as juste très chaud quand t'es à côté de métal fondu, hein. Parole de chaudronnier. Putain, chaudronnier. Oh, les vrais boulots, mon gars, je respecte. Alors, Bernard Marley n'a pas encore 45 ans. Eh ben, mec a quand même une moustache de puceau. Hein. Il possède une fonderie, hein, et est membre du club d'archéologie. Négligent, il vit probablement seul. Bernard est superstitieux, comme l'indiquent les nombreux gris-gris et amulettes qu'il arbore. Il passe manifestement beaucoup de temps assis à son bureau à travailler avec ses objets tranchants et de l'huile mécanique. Son travail demande de la concentration et il a besoin de lunettes pour travailler avec précision. C'est un orfèvre. Très bien. Connaissiez-vous Zacharias Greystoke, la victime? Oui.
C'était un vrai ami. Avec un bon karma, jusqu'à hier. Oula. Reconnaissez-vous l'homme malade sur cette photo? Ça alors, Albeit! Oui, c'est lui! Le pauvre est mort au Guatemala. Il a été emporté par une terrible maladie. Vous étiez amis? Pas vraiment, mais c'était un membre actif et un homme courageux. Trop courageux. On peut rien contre les dieux Quiché. Et cette expédition, vous cherchiez un temple maya? Oui, le temple de Tekunuman. Encore une idée stupide de Charles. Nous l'avons trouvé, mais il y avait comme une force étrange qui nous empêchait d'entrer. Une aura maléfique. C'était l'émanation de Tekunuman, on la sentait. La maladie d'Albeit s'est soudain aggravée. On n'a rien pu faire pour lui. Putain, mais ils conservaient de la chiasse dans leur pyramide ou quoi? Hélas, avec la mort de Zacharias, c'est la malédiction au qui bout relaie. De 14 ans. Les prophéties sont éternelles. Même dans l'au-delà, on ne peut pas leur échapper. Bon, ça m'a l'air d'être de sacrées conneries et t'as un visage de mec un peu suspect, j'ai envie de dire, mais enfin bon. Zacharias croyait-il à la prophétie? Peu importe qu'on y croit ou pas, vous ne comprenez pas. Zacharias pensait pouvoir mettre fin à la malédiction en étudiant le calendrier. Quelle folie. Il m'a envoyé un message pour que je le rejoigne au club. Il voulait convaincre Charles de renoncer à exposer le calendrier. Mais vous n'y êtes pas allé. Je savais que Charles refuserait. Et puis l'étude du calendrier n'aurait rien changé. Tekunuman est bien trop puissant. Oui, c'est pour ça qu'il est mort comme un caca face à un conquistador avec une épée et une armure en fer, mais enfin bon. Vos relations avec Charles Yellingham sont... inamicales. Et c'est réciproque. Voyez-vous, ces expéditions sont vouées à l'échec parce qu'il ne pense qu'à son hypothétique carrière dans la politique. Il a des ambitions politiques? C'est le moins qu'on puisse dire. Il rêve d'être nommé à la Chambre des Lords. Et ce club est le moyen d'y parvenir. Eh ben putain. C'est aussi la raison de sa gestion désastreuse. Mais il réussit toujours à trouver de l'argent. J'ignore comment. Emprunt, vendre les collections des autres membres morts qu'il assassine lui-même, tout ça pour se propulser au rang politique et devenir le nouveau Emmanuel Macron. Oh là là. Bon, à mon humble avis, ça commence à sceller un petit peu l'affaire, mais enfin, il faut voir. Ça se trouve, il y a encore des éléments qu'on ne sait pas. Que pensez-vous de la disparition de la statue de Tekunuman? Je ne sais pas, mais je n'ai rien à voir avec ça. Rien. Objection! T'as rien à voir avec ça, c'est toi qui as créé la statue, Billy. Faut pas me mentir, maintenant. Bien sûr que si. C'est vous qui l'avez créée. C'est vrai? Mais c'était il y a 10 ans. Vous ne pouvez pas me le reprocher. Vous en êtes certain? Après tout, c'est la statue qui a tué Zacharias. Non! C'est Tekunuman. Mais qui pouvait imaginer que Tekunuman choisirait une réplique de statue? Personne! Je dois vous laisser, maintenant, j'ai du travail. Et j'en ai déjà trop dit. Pourrait nous entendre. Tekunuman. Alors, au revoir. Le panne, vois-tu? Bon. Eh ben, très bien. Eh ben, tout ceci ne m'avance guère, finalement. Des éraflures récentes. On a déplacé quelque chose. Ah! Il y avait 2 grosses caisses. Excusez-moi, je vais fouiller cette propriété qui ne m'appartient pas. Tekunuman. Est-ce que je peux ouvrir? Ah, voilà, merci. Ah ah! Pas d'oxydation. Ce bras de métal n'a jamais été à l'extérieur. Il ne fait pas partie de la statue du club. Est-ce que ça veut dire que ça, c'est le bras original de la statue et que sur la statue, il y a un bras spécial? Ouais. Si vous me la jouez, c'est un golem avec des engrenages, je vais commencer à gueuler. Parce que même dans Sherlock Holmes, les cyborgs, ça me paraît un peu trop steampunk quand même. Ce mécanisme est très moderne. Tous les rouages sont de bonne qualité. Il ne semble pas à sa place dans une fonderie. 2 grosses caisses se trouvaient dans l'entrepôt. Elles ont été emmenées dans le bureau de Bernard Marley. Les caisses manquantes contenaient probablement des pièces de statues représentant Tekunuman. Marley cache quelque chose dans son bureau. Je vais devoir le visiter, mais de nuit, et avec Watson. Parce que tant qu'à faire un crime, autant le faire à plusieurs. C'est plus drôle.
C'est plus drôle, c'est plus drôle. Et alors ça? Pistolard au fond du fond. Ouais, c'est propre. C'est propre, c'est propre. Désolé, je suis trop occupé pour bavarder. Oui, oui, tu regardes un truc fondre. Moi, je vais aller regarder l'herbe pousser, hein, on sera bien. Bon. Il va falloir ramener Watson dans nos conneries. On va aller le voir. Watson, qu'y a-t-il, Holmes? J'ai besoin de vous pour faire un crime. Un crime, Holmes? Mais oui, vous connaissez le dicton. Quand vous voulez violer la loi, il faut la violer un bon coup. Ah, putain. C'est dégueulasse. Et c'est du Terry Pratchett en vérité. Hein. Terry Pratchett qui est d'une qualité de lecture. Bon, bien évidemment, à cet âge-là, à cette époque-là, il n'existe pas, mais je suis sûr que Sherlock aurait adoré. Oui, l'écran noir du destin, le chargement de la cinématique absolue. Oh. Kathleen est chez Miss Alice, elle joue du piano, elle m'a désobéi. Eh bien, Holmes, j'ai bien fait de... Oh, regardez, le facteur a fait une erreur. Cette lettre est adressée à Miss Alice. Ah, il a confondu le 221C avec le 221B. Donnez-moi à Watson. Comment Watson, il se fait traiter comme de la merde, mais comme il se dit, c'est pas grave, je vais attendre, je suis sûr que j'aurai mon spectacle à la fin de l'année. Qu'allez-vous en faire, Holmes? Je vais la lire. C'est un courrier qui m'a été adressé, donc il m'appartient. Mais cette lettre est adressée à Miss Alice, exactement. C'est plus fort que moi. Il faut que j'ouvre cette lettre. Raison de plus, d'abord elle reçoit du courrier. Je pourrais ouvrir facilement cette lettre avec de la vapeur. Allez, faisons bouillir de l'eau. D'abord elle reçoit du courrier, puis elle demande le droit de vote. Où est-ce que ça va tout ça, mon cher Watson? Je vous le demande. Un jour elles vont finir par demander à devenir médecin. Une femme à l'académie. Imaginez un petit peu l'hilarité. Je déconne. C'est comme cette jeune fille dont vous m'avez parlé, Dr. Watson. Comment elle s'appelait déjà? Marie Curie, Holmes. Oui. Elle veut devenir académicienne. Oh, heureusement que son père l'a battue devant moi. 20 coups de ceinture, c'est ce que je lui ai dit. Je dois la décoller avec quelque chose de fin. Alors. Je déconne, bien évidemment, je ne cautionne pas. Mais nous sommes en 1900, les enfants. C'était dégueulasse à l'époque. Allons-y. Alors, Alice, vous avez donc réussi, vous avez emménagé à côté de chez lui. Vous ne manquez pas de cran, il va vous fasciner, mais méfiez-vous de lui. Je vous écris pour vous dire que j'ai retrouvé le bateau de votre père. Il est en mauvais état, mais il flotte encore, vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Vous devez savoir que votre père était comme un frère pour moi. Si je peux vous aider de quelque façon que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part, tout ce que vous voudrez, quels que soient les risques. Mais, il semblerait que Miss Alice, en plus de n'absolument pas être du bon grain, se permette en plus d'être un agent double et ça éduque ma fille. Ouais. Miss Alice a décidé d'emménager ici à cause de moi. Je dois lui parler au plus vite. À mon avis, on va lui apprendre le suicide, mais propre. Genre lui coupant les bras dans le bon sens, tu vois. Allons-y. Une petite disparition de Tekunaman. Voilà. Ça va être un petit régal. Continue de jouer, Kate. Je vais prendre un peu l'air sur le balcon. Il faut d'abord que je parle à Miss Alice. Elle est sur le balcon. Elle va prendre l'air sur le balcon. Alors que ça corrompt ma fille. Bon. Par contre, c'est absolument pas la tenue pour s'adresser à une dame. Bien évidemment, brave Jean. Bien sûr. Évidemment. Madame, bonjour. Et si vous me disiez vraiment ce qui vous amène ici? Monsieur Holmes, pourquoi cette question? Je ne crois pas avoir de compte à vous rendre. Où étiez-vous la nuit du 29 au 28, hein? Et pourquoi portez-vous ce chapeau en intérieur? Moi, je suis en peignoir, madame. Puisque vous avez invité ma fille, malgré mon refus,
Je pense que si. Dixit le père, dans toute sa sévérité, pour peu vous réussiriez à m'impressionner. Vous ne voulez pas répondre. Très bien. Dites à Kathleen de rentrer. Oh, pauvre enfant, laissez-la jouer. Elle, si insouciante. C'est précieux pour cacher de lourds secrets. Et puisque vous refusez de lui dire la vérité... Quoi ? Nous avons tous nos petits secrets. Vous ne... Ne vous en faites pas, Monsieur Holmes. Kathleen est une enfant sensible et j'ai beaucoup d'affection pour elle. Alice, venez voir, j'y arrive. Vous voyez ? Vous êtes fantastique. Tu es fantastique aussi, Kate. Nous ne voudrions pas qu'elle apprenne votre secret, ni qu'elle soit malheureuse. Bien, je vous laisse. Bien joué, mademoiselle, bien joué! Vous remportez cette bataille, mais pas la guerre. Elle veut jouer sale. Elle veut jouer sale. Ah, Holmes, j'avais oublié. Il y a bien un homme correspondant à la photo qui se rend régulièrement à l'hôpital des maladies tropicales. Il s'appelle James Byron. Vous êtes sûr? C'est fantastique. Nous pouvons aller le voir, mais il faudrait d'abord vous déguiser. Je vous ferai passer pour un collègue. Watson ? Watson, c'est la première fois que je te vois sans ton chapeau melon ! Oh là 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 ! Et tu me montres ta chevelure lisse et soignée ! Oh ! Elle lui ! Comme un gland après du polish. C'est terrible ! Le Watson sans son chapeau melon, c'est un choc. En tout cas, il a dit qu'il fallait que je me déguise en toubib. Très bien, bah écoute, on va se déguiser en Docteur Strange. Docteur... Écoute, pour l'enquête. Oh là 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 là, un scénario Maillard. Pas mal. Voilà, très bien. Oh là 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 là. Oh, le capitaine Haddock. Oh là 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 là. Attention, les lunettes. Voilà. Tintin. C'est pas mal, ça. On va y aller full Doctor Strange, allons-y. Docteur Marx. Cette tête d'assassin. Non, attends, on va le mettre... Ouais, c'est pas mal comme ça. Voilà, comme là on dirait Docteur Lénine Sokolov, je crée des missiles V2 durant la Seconde Guerre, allons-y. Nous devons nous rendre à l'hôpital, Holmes. Eh ben, allons-y. Là, je suis méconnaissable. Je les mets au défi de faire la différence. Putain. Je veux dire, même Ben Laden, il s'est pas aussi bien déguisé pour fuir l'armée américaine. Et pourtant, il suffisait qu'il se rase la barbe. Putain. Allons-y. Bonjour, collègue. Je suis moi aussi un scientifique, n'est-ce pas ? On peut le voir, je suis chauve, j'ai des cheveux à l'arrière et une barbe proéminente ainsi qu'une blouse. Ah, j'ai un doctorat en... papier peint. Mais je suis un docteur. Oh, docteur Watson, je peux vous aider? Non, c'est lui. Bonjour, Baird. Ah, voilà. Mon collègue et moi sommes venus voir Monsieur Byron. Ah, Byron, son état ne fait qu'empirer. Vous le trouverez dans un des box, côté fenêtre. Le mec quand même s'appelle Monsieur Barbe. Le gars, il assume son doctorat jusqu'au bout. Nous y sommes. Notre homme devrait se trouver là. Non. Non. Putain, les hôpitaux 1900 des maladies tchétchènes du sud de la Patagonie orientale, c'est quand même la violence. Hein. Ce n'est pas notre homme. Non, il m'a l'air chinois. Il est atteint de la jaunisse. Bob, c'est raciste, ça va, je suis en 1900, je peux me le permettre. Je parle mal. Oula. Ouais, ben Snake, qu'est-ce qui t'est arrivé, Snake? Monsieur Byron? Encore du docteur? Oh. Je viens d'avoir mon traitement. Je dois me reposer avant de partir. Ouah. Eh ben, allons-y. Un bandage, un œil malade. Marque rouge au cou.
Séquelles de maladie enchaînées. Je connais pas de maladie qui fait des marques rouges comme ça, enchaînées. Par contre, je sais pas pourquoi il était enchaîné. Peut-être qu'il était dans un hôpital psychiatrique. Ah, regardez, là, il y a aucun doute. Enchaîné, aucun doute. Il les a à la fois au poignet et au cou. Tu vas pas me dire que c'est des maladies. Oh, il fume. Et il boit du café. Fumerie d'opium, d'accord. Odeur d'opium. Putain, le mec, l'antidouleur de la violence. Hein. Boue et nourriture, des marchés bondés. Je sais pas comment tu déduis ça, GG. Il lui manque un bras. Bon. Donc, ce que je peux changer, c'est le fait qu'il soit enchaîné ou des séquelles de la maladie. Je pense que c'est enchaîné, sinon il les aurait pas au poignet non plus. Allons-y. Portrait complet, pas mal. Albeit a environ 45 ans. Il était... Ah, il a le même âge que lui. Il était un archéologue et un ancien membre du club de l'archéologie. Tout le monde le croit mort. Pendant son expédition en Amérique latine, il a souffert d'une maladie qui lui atteint l'œil. Albeit a perdu son bras droit il y a des années, dans des circonstances inconnues. Il souffre d'une dépendance à l'opium et se rend très souvent dans une fumerie près d'un marché bondé. Son corps porte des marques de chaînes. Ouais, ouais, je dirais même des marques de cordes, plutôt que des marques de... Bon. Nous souhaiterions vous poser quelques questions au sujet d'une expédition qui remonte à 14 ans. Une expédition? Quelle expédition? Vous vous trompez, je n'ai jamais quitté Londres. Objection! Ah! Et ça, c'est du poulet. Sur cette photo du Guatemala, ce n'est pas vous? Guatemala? Teco Newman? Ah! Ah! Docteur Baird, venez vite, ça va pas! Ah! Mais enfin, que se passe-t-il ici? Allons, allons, calmez-vous. Vous m'envoyez navré, cher collègue, mais le docteur Brunt attend Monsieur Byron pour une consultation. Vous pouvez patienter ici. Ah. Tout ceci était terriblement suspect. Que faisons-nous maintenant, Holmes? Vous n'avez pas écouté. Nous devons attendre, mais nous allons profiter de ce temps libre. Pour trouver une lotion qui me permettra de repousser mes cheveux. C'était vraiment une idée à la con. Alors, voyons voir. Watson. Notre homme a croisé un cirque. Un cirque. Très bien. Très bien, très bien. Une pipe, un pot de Mazwing, des bandages, un cathéter. Il a récemment acheté du tabac chinois. J'aurais dit que c'était du savon, mais pourquoi pas. Cette adresse est presque effacée. Hôpital des 10 maladies tropicales, à attention de Monsieur Biron, adresse 21 Hook Street. Quel dommage. Oh, vous êtes encore là? Évidemment, nous attendions Monsieur Byron. Il n'est pas avec vous? Non, il est parti tout de suite après sa consultation. Oh, il a oublié ses affaires. Eh ben, on va lui rapporter. Holmes, je crois qu'Albeit s'est échappé. Évidemment, et il sait que nous connaissons sa véritable identité. Vite, je sais comment le retrouver. Mais d'abord, je dois recoller ces poils de barbe sur ma tête. Watson, un scalpel. Que faisons-nous maintenant, Holmes? Trouver où habite Albeit. Bah déjà, avant de faire quoi que ce soit, on va prendre la calèche pour rentrer chez nous. Parce que c'est pas que je porte un peu trop de vêtements, mais je porte quand même un tout petit peu trop de vêtements, je tiens à le dire. C'est terrible. Très bien, allons-y. Le mec quand même s'appelle Albeit. Hein. Albeit en anglais qui, pour moi, dans ma traduction, veut dire même si. Enfin bon. Ou cependant. Un mélange, c'est pour ça. Vous avez trouvé l'adresse d'Albeit sur la carte? Ah bah ça va, je vais me changer d'abord. J'y travaille, j'y travaille. Est-ce que ma fille est dans sa chambre? Choupette! Choupette est en train de se faire éduquer le féminisme. Ça me plaît pas! Ça me plaît pas! Choupette va revenir et elle va vouloir un métier. Oh là là. Bientôt, elles vont porter des pantalons, quoi. Putain. Oh là 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 là. Bientôt, elles voudront faire l'amour, la lumière allumée. Oh là là là, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Voyons voir, voyons voir. Pas mal. Voilà. Pour le lore, recollons les poils de cul. Impeccable. Et lâchons les lunettes.
Impeccable. Quoique, la barbe, hein. La barbe. Moi, je suis désolé, mais je sais que Sherlock Holmes, il est sexy comme ça. Hein, il donne un petit Cumberbatch, hein, tu vois. Il rend bien, tu vois. Mais je sais pas pourquoi. Moi, je trouve que ça lui va mieux avec la barbe. Donc, du coup, hop. Voilà. Il est viril comme ça. Moi, je l'aime comme ça. Allez, on y va. Grâce aux informations glanées à l'hôpital, je peux déduire où Al Bates se cache. Nous savons qu'Al Bates s'est rendu dans une fumerie d'opium, qu'il a traversé un marché bondé et qu'il a croisé un cirque. Il a également acheté du tabac chinois. Trouvons un endroit à Londres où ces quatre éléments sont proches. Moi, je conclus qu'il est jongleur. Il lui manque un bras, Sherlock. Oui. C'est pour ça qu'il bosse dans un cirque. Parce qu'il serait juste jongleur, ça marcherait. Oh putain, j'ai trouvé. À présent, il nous faut une rue dont le nom se termine par O-O-K. Brook Street. Et voilà, 21D Brook Street. Watson, je crois que nous avons trouvé l'adresse d'Al Bates. Bon, c'était rapide. C'était rapide. On me dit sur le chat que apparemment les développeurs ont essayé plus de le faire ressembler à Robert Downey Jr., alias Tony Stark. C'est vrai. Mais je lui préfère les roues plaquettes. Je sais pas, ça lui donne un petit air 1900. Ah, alors c'est comme ça qu'on fait les biberons. Je me disais bien que je m'y prenais mal. Je fais la blague parce qu'il lit, voilà, Practical Motherhood and Parentcraft, c'est-à-dire l'éducation maternelle pratique et toutes les outils et méthodes pour élever un enfant, en fait. Mon premier bébé, ou les bébés pour les nuls, tu vois. Bon, pas les bébés, mais... Nous sommes arrivés avec mon cher Watson. Deus Vult, mon gars. Deus fucking Vult. Et le mec, il habite là? Putain, pour un vétéran à qui il manque un bras, le gars, il est luxe, hein. Impeccable. Dans tous les cas... À moi! Oula. Vous avez entendu? Vite, il faut ouvrir cette porte. La porte est trop épaisse, et la serrure trop solide pour m'en sortir à main nue. La porte est trop épaisse, et la serrure... La clé mort. Lâche! Là. Je voulais terminer l'épisode là, mais écoute. On va d'abord s'occuper de la crise. Allez, un petit 49-3. Ah! Here's Johnny! Ah putain! À moi! Oh yeah! Ah! Non! Allez! Allez! J'arrive! Yeah! Ad mortem inimicus! Oh putain! Oh shit! Joli Watson! Oh putain! Oh la vache! Lâche! Mais. Ha! Moyen de me défendre maintenant. Chut. Ouah, je me fais saucer. Putain, que Kek me protège. Non, ça c'est une statue d'éléphant, c'est pas le bon. Là-bas, non, ça c'est un lion chinois, c'est mort. Putain, il a des belles antiquités quand même. Je me fais saucer. Si je coupe ses cordes, les et boucheront la vue de l'assaillant. Quelle corde? Ah, je vois. D'accord, ok. Toutes ces statues font une cachette idéale pour l'agresseur. Ouais, je vois, il me sauce. Putain, merde. Cette table ferait une bonne cachette. Watson, je vais essayer d'atteindre ces rideaux pour les fermer. Couvrez-moi. Ok. Barre-toi, laisse l'amour de ma vie tranquille. Recharge.
là, l'action! Oh là 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 là! Ouvrez-moi! Oh shit, 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 shit! Oh là là, il me tire des flèches avec des angles improbables! Oh, c'est la malédiction Maya! Putain, le mec est balèze quand même, hein, pour les tirer dans cet angle. Et le rideau est tombé. Ah! Au-dessus! Putain! Oh la vache! C'est fermé. Putain, c'est pas l'urgence! L'esquive de la tête de Bouddha! Ok. Oh, une statue de meuf à poil. Concentre-toi. Watson, venez! Il est derrière le paravent. Troue-le! Sauce-moi cet enfoiré! Ah putain, c'est un ninja! Notre assaillant s'est échappé par cette lucarne. Oh la vache! Mais attends, mais elle est super petite! Eh, le mec, il s'est enfui par la lucarne, mais elle fait la taille de ma bite! C'est un piège, il est toujours à l'intérieur! Notre assaillant a grimpé à cette corde. Du moins, moi, c'est ce que je ferai. J'ouvrirai la fenêtre avec une corde pour faire croire que je suis sorti, mais en fait, je suis dans l'armoire, ou sous le lit! Ouais, ça fume de l'opium ici. Putain, le mec, il aime l'encens quand même. Oh là là! Oh là là, je crois pas que ce soit autorisé sur Fantabob Games. Bon, c'est de l'art, c'est de l'art. C'est de l'art, Billy, fais pas chier. Ah. Alors comme ça, tu crois pouvoir m'échapper, salaud! Non! Ne me tuez pas! Calmez-vous. C'est terminé, c'est fini. Vous? Oh. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas docteur, hein? Non. Enfin, à moitié. Et si nous jouions franc jeu? Votre véritable nom est Al Bate, n'est-ce pas? Vous étiez membre du club de Charlie Ellingham. Oui, je l'étais. Oh, le drama est total, brave Jean. Le drama est absolu. Nous avons enfin trouvé cet enfumier. Nous allons enfin pouvoir lui poser toutes les questions qui nous intéressent. Mais une chose est sûre, c'est que tout ceci et toutes les révélations seront faites dans le prochain épisode. Oh, est-ce que ça va être comme avec le pacte des loups? Et oui, bah, je spoil, mais le film est vieux, donc je m'en fous. Attention, spoiler pour le pacte des loups. Voilà le spoiler. Est-ce que ça va être comme le pacte des loups? Et en fait, il est pas vraiment... il a pas vraiment... Enfin, il a vraiment toujours son bras droit, en fait. Et du coup, il se le garde collé contre le corps et du coup, blam, il nous tire avec des flèches. Mais ça voudrait dire qu'il a eu le temps de se remettre les bretelles et de s'enfermer dans le sarcophage après avoir ouvert la lucarne et la corde. Ça... Et puis le mec, il a une perception de la distance qui est un peu foireuse. Tout ceci m'a l'air foireux. Dans tous les cas, brave Jean, on se retrouve dans le prochain épisode de Sherlock Holmes et The Devil's Daughter avec le Hénon du peignoir. Des bisous et à la prochaine. Allez, zou. Oh.